Une histoire d'Archibald au lit. D'Astrid Desbordes et Pauline Martin. Hier soir, à 8h30, maman m'a lu une histoire. Puis elle m'a embrassée et m'a dit « Dors vite, mon archi chéri !» J'ai répondu « Oui, maman chérie !» et j'ai sorti mon train. À 9h, papa m'a lu une deuxième histoire, puis une troisième. Puis il m'a embrassée et a éteint la lampe. J'ai embrassé papa et rallumé la lampe. À 10h, maman est revenue pour un dernier câlin. « Maintenant, il faut vraiment dormir, mon archi, m'a-t-elle dit. Je reste un peu avec toi si tu veux. » À 11h, j'ai fermé un œil et de l'autre, j'ai vu maman avancer tout doucement vers la porte. À minuit, il y a eu une réunion de crise à la cuisine. Il ne veut rien entendre, a dit papa. Il ne faut surtout pas s'énerver, a bâillé maman. Il va finir par s'endormir. Vous vous y prenez mal. Il faut simplement trouver les mots justes, a expliqué Mamita. À 1h moins le quart, Mamita est venue dans ma chambre. Archibald, mon chéri, a-t-elle murmuré. Il est l'heure de tu sais quoi. Je n'ai rien compris, mais j'aime beaucoup Mamita. À 1h du matin, maman m'a montré comment faire venir le sommeil. Ça a très bien marché. À 2h du matin, j'ai entendu papa fouiller dans la bibliothèque. Il a lu quelques pages d'un livre qui devait être super, car il a crié « Hourra, j'ai trouvé !» Et il s'est installé près de moi, très discrètement. Sacré papa! À 3h du matin, Mamita a téléphoné à sa cousine américaine. Là-bas, on était encore la veille après tout. Mamita a dit « Yes, yes, ok, ok. » Puis, elle est revenue dans ma chambre en criant « Bedtime !» J'ai répondu « My name is Archibald », comme toujours quand on me parle en anglais. À 4h du matin, mon train est arrivé à destination pile à l'heure. Mais il restait des tas de choses à faire dans la maison. Border maman, fermer délicatement le livre de papa, ranger quelques doudous, il avait un peu exagéré. Et éteindre le téléphone américain de Mamita. Bla 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 bla. C'est toujours pareil dans cette famille, personne ne dort dans son lit, après il s'étonne d'être fatigué. Enfin, j'ai pu me coucher et comme toujours, je me suis endormie immédiatement.